Yahoo Dibansha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Eileen la charmeuse de bête. Le manga Eileen la charmeuse de bête est un shonen en 11 tomes des éditions Pika. La série daterait de 2008 au Japon et s'est terminée en France en décembre 2020. L'œuvre est dans le genre aventure, drame, fantastique, surnaturel, animaux, dragons, monstres, nature et quotidien. La série est âge concier aux 12 ans et plus, et c'est tout en ce qui concerne les informations, à part qu'on est avec Takemoto Itoe en mangaka. Il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose, et c'est tout en ce qui concerne le manga. Et juste, je précise, si je ne l'ai pas dans les mains, c'est tout simplement parce que je l'ai lu en format numérique. Donc je suppose que tu te doutes, mais comme euh, je n'ai pas lu les mangas en format papier, je ne te ferai pas la troisième partie euh, de la vidéo, celle où je te donne mon avis sur les couvertures, sur les pages entre chaque chapitre, etc. Parce que euh, bah, déjà je peux pas trop juger la couverture, j'ai que l'illustration à l'avant, j'ai jamais l'illustration à l'arrière. Euh, et honnêtement, ça fait déjà deux semaines que je l'ai lu. Donc même mon avis sur les couvertures avant, je les trouve sympa, mais euh, j'ai jamais trouvé une waouh, tu vois. Donc voilà, j'ai ai aimé mais sans plus au niveau des couvertures. Pour ce qui est de mon avis sur le manga, déjà on va parler de la qualité des dessins qui est plutôt sympa et assez agréable. Et ce que j'aime c'est qu'on arrive quand même au coup de crayon à voir l'évolution au niveau de l'âge de la jeune fille. Donc ça c'est plutôt pas mal si on arrive vraiment à voir qu'elle vieillit au fur et à mesure des chapitres et ça c'est plutôt cool. Donc on suit les aventures d'une jeune fille qui vit chez, avec sa maman et elle vit en tant qu'éleveuse de dragons, les Toda. Et en fait un jour euh, les Todas vont être empoisonnés et donc forcément on va accuser sa maman euh, d'avoir empoisonné ses Todas sachant que en fait euh, sa famille à elle, Hélène et sa maman, sont une famille de dresseurs de monstres et donc forcément on dit qu'elle a empoisonné parce que forcément c'était manipulation et tout ça par rapport à son clan alors qu'elle a rejeté son clan pour se marier avec un gars normal mais bon. Toujours est-il, et la jeune fille se retrouve à, à être emportée par un dragon, un Toda, et être envoyée très très loin, euh, l'autre bout quasiment du pays, pour être protégée, etc. Parce que, en fait, euh, Eline ou sa mère peuvent les contrôler du à un sifflet magique. Et donc, euh, voilà en gros les grands lignes. Donc, ça, c'est la base. En ce qui concerne ce qui se passe après, en fait, Eline va se faire recueillir par un homme qui va la voir euh, sur le bord de la rivière, il va la secourir. Et finalement, comme elle n'a plus de parents, bah, il va se proposer pour être une espèce de père adoptif. Et c'est là que l'aventure commence réellement. Donc le manga, je vais juste te dire qu'on suit Eline, donc elle est toute jeune, puis on la retrouve On va la voir grandir au fur et à mesure des volumes jusqu'à ce qu'elle ait à peu près 16, 20 ans, un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça très agréable. Pour ce qui est du manga, on va aussi rencontrer une autre type de créatures fantastiques qui s'appelle les kaiju, qui sont des espèces de gros aigles avec une tête de chien. Et euh, donc voilà, en ce qui concerne les créatures fantastiques, donc le manga est un bal des créatures pour le Halloween Manga Challenge, j'ai oublié de le dire pendant l'intro. Pour ce qui est du manga, je l'ai trouvé plutôt sympa. J'aime bien l'idée, j'aime bien le concept, j'aime bien le scénario. Par contre, je n'ai pas aimé le choix de l'auteur au niveau de sa fin. Certes, elle se comprend et elle est totalement compréhensible et euh, voilà. Mais plus on arrivait sur les derniers euh, volumes, plus on ne comprenait plus trop en fait l'histoire en soi que nous racontait l'auteur. Surtout ce dernier volume, j'ai presque rien compris. Enfin les deux derniers volumes, j'ai presque rien compris à l'histoire tellement que l'auteur en fait essaie de boucler son œuvre. Mais euh, je ne sais pas, il y a un, comment dire, il y a un petit foiré quand même là-dedans. Après, l'histoire est très sympa, très intéressante et je suis très contente de l'avoir lu. Ça reste un shonen, donc ça reste un truc où je ne suis pas forcément hypée de fou. Il faut savoir que le shonen est vraiment la catégorie de manga que j'aime le moins dans toutes les catégories de manga qui existent. Donc voilà et euh, j'ai trouvé sinon l'idée, le message qu'il y avait à l'intérieur très intéressant et plutôt sympa et j'ai vraiment aimé suivre les aventures d'Eline au fur et à mesure des années et de ses aventures. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas d'aller voir les deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux et le compte Vinted si jamais le cœur t'en dit. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve si tout le va bien. Demain, je suppose, pour une nouvelle vidéo Halloween.